Levez mon béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Jésus ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est 163 français. Repos du cœur. On dit ça encore, Jésus. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie, dans la joie et la souffrance, elle repos, fait briller sur moi. Alléluia. Face. Oh Jésus, agneau de Dieu, à tes pieds, à tes pieds, c'est oh ma place, auprès de toi, mon ciel. En dit ça encore. Jésus, ta sainte présence. Jésus, ta sainte présence. Oh, elle est la source. La source du bonheur. Dans la joie. Et la souffrance, amen. Elle est le levez mon bouclier, fais briller sur moi. Oh, 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 oh Jésus, amen. Levez mon Dieu à tes pieds, à tes pieds. De toi, mon ciel est bleu. Mon ciel est bleu. Sur celui qui te compte. Alléluia. Bon Dieu béni. Comment nous y est? Tu fais de son cœur ton temple, ton jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Brillez sur moi. Que Dieu soit contre toi. Amen. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Oh Jésus, adieu. À tes pieds. À tes pieds. Amen. C'est là ma place. Près de toi, mon ciel est bleu. Levez-vous, mon bureau. Criez, fais briller. Oh, et mes sources de motivation. Jésus, à tes pieds, c'est là ma place, c'est là ma place. Oh, près de toi, mon ciel, à que mon âme. Tu rencontres mon sauveur, tu rencontres mon sauveur. Car ton regard, c'est la vie, c'est la richesse du cœur. D'amour, levez tes mots, pio, quel que soit contre toi, ou même qui la cas, levez tes mots, pio. Fais briller sur moi. Oh Jésus, agneau de
puis la vie pas qu'à passer mal. C'est là. Les non plus on connecté. Les non plus on pas qu'à finir mal. Prie de toi. Levez tes mots, pion. Levez tes mots. Criez à tes pieds. Ouais, 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 ouais. Levez-moi, levez-moi. C'est là. Oh, babla. Oh, bré. Les barbés ont pas fait maladie. Les barbés ont pas fait. Criez à tes pieds. Il faut aussi ta présence. Il faut aussi ta présence pour ton service, pour ton service. Car elle est une puissante. Elle est une puissante. Oh Jésus m'a tant aimé. Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que bon Dieu bénisse nous. Comment nous y est? Ouais, saluez-nous encore une fois à soi. Hein? Le bébé pour crier. Bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse. Mes amis, mon frère, on est Émile Joseph. C'est l'émission Source de Motivation qui a été la cave. Nous venons encore une fois pour nous capables d'aider, motiver pour rentrer dans la gloire. Puisque la gloire nous appartient. La gloire, c'est pour nous. Faut que nous entrions dans la gloire. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, bon Dieu béni. Espérer que nous t'ai passé un bon moment, bonne semaine. Alors disons bon début de semaine, puisque nous déjà dans jeudi. Jeudi 18 dans le mois. Fait exactement 8h31. Moi salue dans le nom de notre précieux Sauveur Jésus-Christ. Nous tournons encore pour nous capables de continuer avec Jean-Yo. Et de comprendre et découvrir quelque chose qui te paraît noir pour vous. Puisque peut-être pas de chita ou bien pas de cochacher qu'on est. Amen. Sur Radio Zion Voice, Néhémie Joseph. Sur Radio YouTube, nous décidons de partager connaissance. Alléluia. Alléluia. Et en façon pour capable comprendre bon Dieu plus. Et pour sa bénédiction à venir plus facile. Père Céleste en Jésus-Christ. Toi qui es digne de gloire, digne de louange, on va approcher devant toi, Seigneur Dieu, pour nous dire merci pour nous faire la grâce, Seigneur Dieu. Merci parce que vous accordez nos chances encore pour nous en présence. Vous accordez nos chances, Seigneur Dieu, pour nous capables d'adorer vous, pour nous capables de parler de vous, Seigneur Dieu. Voilà que nous sommes sous motivation de Seigneur Dieu qui retourne, Seigneur Dieu, pour parler de sujet qui est très important. C'est qui c'est. Quelle est la mission de l'Église ou quelle est la mission du chrétien? C'est notre temps plus père en soyant que l'Esprit capable d'instruire nous de manière, Seigneur Dieu, direct, afin que nous allons partager, Seigneur Dieu, plus sur ça nous connaître, sur ça nous apprendre de où, du serviteur, Seigneur Dieu, tout puissant, qui peut enseigner, mon Père. Le temps plus que tout pour le monde, Seigneur Dieu, tout puissant, il va monter avec esprit de recevoir, Seigneur, l'information, ça. Il va grandir spirituellement parce que mon gagne connaissance là ou elle agréable devant Dieu, Seigneur Dieu, tout le monde. Ça fait notre temps plus béni nous. Béni chacun qui va monter en balade, Seigneur Dieu. Mon qui a partagé pour plus, mon qui a une bénédiction spéciale, Seigneur. Mon qui a fait tout un bagage spécial pour permettre que l'émission soit capable de plus loin. Pour gloire, non, capable de manifester, Seigneur, dans notre temps. Il va bénir davantage, Seigneur Dieu. Béni ces vidéos-là, toute famille qui a une opportunité, Seigneur Dieu, avec matériel, ça, Seigneur Dieu, capable de diffuser. Nous sommes dans un seul côté, mais le monde connaît nous, le monde voit nous, Seigneur Dieu, le monde attendait nous, Seigneur. C'est à travers matériel, ça, on va continuer à bénir davantage, Seigneur Dieu, puissant. Nous devons prier, Seigneur. Quand on est avec nous, dans le moment, ça, Seigneur. Que nous passons un moment, nous en présence sous et avec, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Amen, amen, amen.
Près de toi, mon ciel est bleu. Levez-nous. Priez à tes pieds. À tes pieds. C'est là. Ma place près de toi. Comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est, comment nous y est. Frère Ricardo Simon, comment nous y est? Madame Ricardo Simon, comment nous y est? Madame Néhémie Joseph, comment nous y est? Pasteur Hubert Valsin, comment nous y est? Frère Idioto, comment nous y est? Madame Pasteur Hubert Valsin, comment nous y est? Tama petit frère, Lydie petit frère, Pasteur petit frère. Comment nous y est? Madame Pasteur, comment nous y est? Alléluia. Alléluia. Ernst Garçon, comment nous y est? Pasteur Paul Joseph, comment nous y est? À tes pieds, c'est là. Pasteur Prophète Joseph, comment nous y est? L'église des Frères Unis, dans Royal Palm, comment nous y est? Sur mon audin, comment nous y est? Amen, 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 amen. Oh, avec l'esprit rempli. Rempli. Frère Mario, comment nous y est? Moi, Pasteur Daniel, comment nous y est? Nous pas qu'à rentrer dans l'émission sans que nous pas saluer mon saïo. Nous pas qu'à rentrer sans que nous pas saluer mon saïo. Est-ce qu'on a dit ça? Madame Pasteur Paul Joseph, mes chéris, comment nous y est? Mes frères, mes petits frères, mes petites sœurs en Haïti, mon saluez nous. Pasteur Paul Kanyem, salut. Mon salut, Islande en Haïti, qui toujours branché émission ça. D'après témoignage, maman que bah moi, Islande toujours branché. Claude Jérôme. En Haïti. Amen, amen, amen. L'église Nouvelle Dimension en Haïti. Oh, Pasteur Dor. Puissance ou rempli. Nous sommes pas capables de saluer mon sayo. Et nous saluer aussi chaque ami qui toujours branché émission ça. Émission source de motivation. Alléluia. Nous saluer ou même qui toujours partager émission ça. Je salue même qui toujours quitté un petit commentaire. Je n'ai pas oublié Monsieur Alette. Monsieur Alette. Madame Alette. Jay Alette. Lance Liana. Bonjour, bénis-nous. Alléluia. Alléluia. Team Worship dans l'église. Les Frères Unis de West Palm Beach. Dirigé par Pasteur Pépas. C'est nous saluer. Salut à toute l'église là, sans exception. À soi nous avons un sujet qui est très important. Je pense que l'important pour moi avec vous. Sujet qui c'est sujet qui ou supposé qu'on est. Et même l'autre qu'on est déjà, l'important pour qu'on ait plus. Sujet à ce qui salut. C'est pour vous. Quelle est la mission de l'église? Pour moi. Quelle est la mission d'un chrétien? Bon, nous on va assurer. Bon, nous on va gagner. Y a un plombier. Il gagne pour mission pour ranger tuyau. D'abord, exemple qui est très clair. Frère Mario gagne pour métier, il plie gagne pour mission pour ranger tuyau qui dérange. Yo boulanger. Un boulanger, il a une mission pour faire pain et vendre pain. Yo footballeur, mes amis, nous avons partagé live là. Nous avons partagé mission ça parce que gain bagage qui est important. Yo professeur gain pour mission pour enseigner. Alléluia. Pour parler, pour montrer, pour expliquer. Yo chauffeur gain pour mission pour le conduire. Moi,
Yon footballeur gen pou mission pou le remporter compétition, hein, pou le faire équipe li gagner, c'est mission ça. Yon médecin gen pou mission pou le soigner moun ki malade là. Parce que madame pasteur Robert Bazin gen mission ça. Frère Ilioto gen mission ça. Ah, ce mono gen mission ça. En pile dans l'église là, les frères unis de West Palm Beach gen mission ça. Puisque yo c'est médecin, ah, yo c'est docteur, yo gen mission pour yo en prend soin moun. Et nous même chrétiens et l'église, qui mission l'église? Et pour me clair avant, si docteur a pas jamais soigné yon malade, pour qui ça a besoin de le docteur? Si yon moun chauffeur gen licence nan men li pa jam kondi, pou ki sa m bezwen rele leur chauffeur? Si yon professeur pa jam enseigne, pa jam forme moun, pou ki sa m bezwen rele le professeur? Si yon père de famille pa jam pran responsabilité famille, pou ki sa m bezwen rele le père de famille? Et pour capable atteindre, pour capable river sur sujet nous en soyons, si un chrétien pas rempli mission, si un chrétien pas évangélisé, pour qui ça besoin les chrétiens? Levez-vous pour toucher Kounia. Levez-vous pour toucher Kounia. Ah, quelle est la mission de l'église? Quelle est la mission d'un chrétien? Quelle est la mission d'un chrétien? Quelle est la mission d'un homme de Dieu? Quelle est la mission d'une femme de Dieu? Et qui l'aime qu'a dit ou c'est chrétien? J'aime ça dire l'italien, c'est lorsque je suis d'accord rempli mission. Ma prédit encore. Si chauffeur machine, si mon nan chauffeur, li gen lisans nan men li pa jan kondi, pou ki sa bezwen rele chauffeur? Si yon policier pa jan kanpe nan sirkulasyon, pa jan kom si bay moun sekurite, pou ki sa bezwen rele policier? Ah, et ben si yon kretien pa jan evangelize, pou ki sa bezwen rele l'évangile? C'est quoi la mission de l'église? Une question qui tout coûte, très simple. La mission de l'église, c'est l'évangélisation. La mission de l'église, c'est l'évangélisation. C'est la première réponse. Je pense que c'est la réponse que j'obtiendrai le plus. C'est réponse que moins plus la mission de l'église, c'est l'évangélisation. Et ça fait dans Actes chapitre 1er verset 8. Actes chapitre 1er verset 8, il dit: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça c'est dans Actes chapitre 1 verset 8. Mais nous pourrions plus clair dans Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. Matthieu chapitre 28 verset 18 à 20. La mission de l'église, Jésus s'approcha et leur dit: Jésus, c'est mettre l'évangile là. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, il dit que mettre l'évangile là, il approche. Et puis il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Le maître de l'évangile, mettre l'évangile là, la belle mission ça, il dit: allez faire de toutes les nations des disciples.
L'en fin fait de toutes les nations des disciples, nous avons pour faire qui ça? Nous avons pour baptiser yo. Nous avons pour baptiser yo. Et puis, dans verset 20, il dit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Après que je finis à l'effet disciple, je suppose enseigner yo. Alors, baptiser yo et enseigner yo. Donc, on va constater que en pile l'église manque ça. En pile l'église manque ça. Maintenant, qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Ou disons, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour qu'il puisse clair, pour qu'il puisse comprendre l'explication que nous pouvons mettre à l'heure comme ça. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu. Ou c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Hein? L'évangile, c'est que les hommes pécheurs peuvent être gratuitement, sans devoir le mériter, sauvés de la condamnation qu'ils méritaient, la mort. C'est la condamnation, la mort, à cause de leurs péchés, par le moyen de la foi en Jésus-Christ et de son œuvre à la croix, mort et résurrection. C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Pour qui ça vous dit la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Il n'y a pas seulement dit la bonne nouvelle tout court. C'est parce que yo, par exemple, il y a un monde qui t'a vu dire que par exemple, si je vis à Haïti et puis un monde aux États-Unis, il dit que je prends des gens là, je vais nous visa pour ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle. Moi, je recevais un appel qu'on a. Et puis moi t'as joué un monde qui dit frère Némi, mon responsable pour me payer l'école pour 10 élèves dans l'école où gagne Haïti, hein? Ça c'est une bonne nouvelle. Mais là m'a parlé de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Parce que si on t'a posé une question, il t'a dit frère Némi, c'est quoi l'évangile? Et tant que chrétien, bah quand il dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Étant que moun qui dit que la suivre Christ, on moun pose aux questions, il dit frère, sœur, c'est quoi l'évangile? Je pense que il y a un peu médiocre si seulement dit l'évangile c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et si moun ça pose une question, il est intelligent, il pourrait demander mon corps, il pourrait dire c'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? Et quand si moun dit qui ça la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il faut au moins me répondre. Et c'est ça que nous venons faire à soi. Hein? Nous venons parler de la mission de l'Église. La mission d'un chrétien. Pour qui ça, moi d'accord, je viens joindre Jésus. Moi converti. Moi baptisé. Je ne suis pas fini converti, je suis baptisé. Et puis je suis chita, souvent. Je suis toujours chita. Seulement chita. Je suis là quand même, puis maintenant que tu as activité, mais puis là, je suis là, je chita. Non. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Si plombier a une mission, si docteur a une mission, hein? si chauffeur a une mission, si aviateur a une mission, eh bien nous-mêmes chrétiens, nous avons une mission. Et nous avons une mission, nous pas qu'à rater, nous pas qu'à pas accomplir. Mission, hein? Nous jouons dans Matthieu 28, verset 18 à 20. C'est aller faire de toutes les nations des disciples. Aller prêcher mon évangile. Aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais qu'on y a là, si par exemple, m'accepter Jésus, m'baptiser, et puis qu'on y a mon. Parce que c'est impossible pour mon seulement dit serviteur, aller prêcher mon évangile. Pendant ce temps, je ne pas recevoir mon formation, je ne pas contre ça l'évangile. Assoyons. Nous allons essayer de développer pour. Le mot évangile. Nous allons essayer de détailler pour le mot évangile. L'évangile. Qui ça l'évangile? La Bible raconte que l'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frère Ilioto, bon Dieu béni. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais ça n'a pas une explication pour un monde qui fait accepter Jésus-Christ. Ça n'a pas une explication pour un monde qui fait
qui à peine accepté Jésus-Christ. Hein? Je pense que il y a des choses qui sont plus importantes toujours pour nous connaître à travers le mot ça, qui c'est l'évangile. Qui ça l'évangile? Il raconte que lorsque Pierre t'a prêché, lorsque Pierre t'a prêché dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 2, il y a un bagage qui était arrivé, monsieur. Il y a un bagage qui était arrivé dans ce moment ça. Pendant que monsieur a prêché, eh bien, il racontait que il était à prêcher non parti dans l'évangile. Son point en dans l'évangile qui c'est la résurrection de Jésus-Christ. Il t'a parlé comment Jésus-Christ est ressuscité. Pierre t'a parlé de la résurrection de Jésus-Christ dans Actes chapitre 2. Eh bien, dans message ça seulement, alors il t'a parlé une partie dans l'évangile là, mais par contre il y a plusieurs autres parties. Mais Pierre, puisque c'est l'évangile il t'a prêché, et question ça m'a me poser nous aujourd'hui, est-ce que prédicateur c'est l'évangile qui a prêché? Est-ce que c'est l'évangile qui a prêché jusqu'à présent? Parce que grand pile monde m'a constaté qu'il prend micro. En pile monde a parlé, mais l'on regarde bien pas de rapport avec l'évangile. Mais Pierre lui-même, il était gain plus passé 3000 monde en face lui. Parce que la Bible raconte que gain 3000 monde qui viennent à la repentance. Il y a 3000 personnes qui sont venus à la repentance. Ce n'est pas seulement 3000 personnes qui t'attendent de Pierre. Il y a raconté que Pierre, il est venu repenti. Il dit dans le chapitre 2, 3000 personnes d'origine très diverses. Ça veut dire pour une seule nation. Ils sont dans tout coin. Ils disent deviennent chrétiennes après que chacun ait entendu annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Pour qui ça dit de la résurrection de Jésus-Christ? C'est parce que en dans bonne nouvelle là, il y a l'autre partie. Mais là, 3000 moun ça, il y a 3000 personnes qui t'ont accepté Jésus-Christ, c'est pas que yo t'attendé tout l'évangile. C'est pas que yo t'attendé tout l'évangile là. Non, yo t'attendé, il dit ça clair. Chacun est entendu annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. La bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire, si il y a la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, il y a la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ, il y a la bonne nouvelle de la vie de Jésus-Christ, il y a la bonne nouvelle de la mort de Jésus-Christ, il y a la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ que Pierre t'a prêché, il y a 3000 personnes qui viennent à la repentance. Et il y a 3, il y a la bonne nouvelle de l'ascension de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Ça veut dire que les chrétiens ont une mission pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais le premier bagage qui est important, il faut me former tête moi pour me chercher qu'on est qui Jean Jésus-Christ est venu, qui Jean était fait. Là, nous avons naissance, la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ. Comment Jésus était fait? Comment il était prend naissance? Qui côté? Par qui est-ce qui nous a été bali? Qui l'est? Qui date? Forme capable de chercher qu'on est tout bagage ça yo, et c'est ça qui va multiplier connaissance moi, qui va rendre moi non seulement agréable devant Dieu bon Dieu, qui va aider moi tout le temps prêcher mon évangile pour me prêcher avec capacité. C'est pas seulement on parle devant mon nom dit mon nom, ça fait en pile bon Dieu rend moi Jésus rend moi ça veut dire Jésus rend moi l'autre dit mon nom Jésus rend moi nous blesser, c'est comme si tant la Bible sautait assez qu'on y a Jésus rend moi. Ou bien on fait mon nan prend Jésus mal parce que c'est qu'on yo dit Jésus remen li gen doit penser Jésus t'est raillé. Et ça fait Pierre, puisque Pierre te chita son point même dans l'évangile qui c'est la résurrection. Et bien li prêcher la résurrection de Jésus-Christ, la Bible raconte que 3000 moun vini à la repentance. 3000 moun vini à la repentance. Ça veut dire l'église gon mission qui parlote, l'église gon mission qui parlote que prêcher l'évangile, c'est la mission spirituelle de l'église. Mais c'est pas seule mission ça que nous gagnons en tant que chrétiens. Nous pas seulement gagnons mission pour nous prêcher l'évangile.
Ça, il chita sous base spirituelle là. Il chita sous base spirituelle là. Et ça fait la réponse, ça c'est pas une réponse qui est trop large parce que les directs prêcher l'évangile sont devoir lié parce que Jésus-Christ prononçait lui-même. Jésus-Christ parlait dans Matthieu, il dit allez faire de toutes les nations des disciples. Par contre, côté dans la Bible que Jésus te dit fin accepter baptiser et puis après ça fini les bonnes missions. Et c'est à travers mission ça que vous pouvez l'accomplir, vous pouvez recevoir, vous pouvez recevoir bénédiction. J'avais dit comme ça, quel que soit le monde qui honte camper pour moi devant les hommes, moi-même tout m'a honte camper pour lui devant papa. Ça veut dire qui ça? Dans le cas contraire, il y a un monde qui d'accord camper devant les hommes pour parler de Jésus-Christ. Jésus-Christ automatiquement camper pour vous devant papa pour parler pour vous à travers en ça qui gagne à travers avec nécessité ou gagner sur la terre. Ça veut dire prêcher l'évangile son job. Son job, son mission qui gagne une récompense après. Surtout pour monde qui fait bien, qui fait avec connaissance. Ça veut la Bible dit ça, bon Dieu garde nous monde qui gagne connaissance comme monde qui agréable. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Lorsque moi gain connaissance, moi différent avec un monde qui seulement a vivre, qui a seulement accepté Jésus, qui pas chercher gain connaissance. Il pas jamais quand même bagage avec un monde qui a lu Bible tout le temps, qui a cherché connait qui est bon Dieu, qui a cherché connait les principes, les ça bon Dieu mandé pour faire. Il pas qu'à même vie avec un monde ou même qu'à prêcher l'évangile avec un monde qui seulement chita à l'église ou bien danser adorer bon Dieu, la vie nous pas même parce que mission pour là ou exercer mission pour là ou travail pour accomplir. Et ça fait texte ça me toujours parler de lui, toujours citer dans Osée chapitre 4. Bon Dieu même fait déclaration, il dit peuple a péri par faute de connaissance. Gen problème que on pas endurer d'accord prêcher mon l'évangile seulement dans travail ou. Et ça faut après si on en bail qui difficile en pile pour prêcher mon l'évangile, pour parler mon de Jésus-Christ. Parce que c'est pour un bagage qui fait comme ça. Un travail qui rentrable pas jamais facile pour. Faire. Prêcher mon évangile pas jamais facile pour faire puisque le bon récompense qui sent pareil elle mis en tape toujours mettre en difficulté soit mettre en timidité soit mettre la honte soit te faire comporter au mal dans travail là et puis mon gars pas prendre pour mon sérieux qu'on a envie de mal pour présenter pour prêcher l'évangile. Ça fait apôtre Paul t'avait parlé pour dire je ne point honte de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça fait dans Éphésiens chapitre 5 verset 8-10, il dit autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de la lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Avoir ou bien conquérir la connaissance spirituelle, ça agréable devant Dieu, mon Dieu. Assoyant mission, première mission l'église ou bien première mission moi-même avec, c'est prêcher mon évangile. Et derrière ça, m'a baille chaque monde qui a attendu me là un conseil. Même sous téléphone, on essayez prêcher mon un grain de monde par jour. Goumen pour prêcher même à travers téléphone, même à travers les réseaux sociaux. Même dans le travail, essayez prêcher mon évangile. Pas seulement dire Jésus même. D'ailleurs, pas les gens qui Jésus aimé, comme ça. Nous sommes en lien, nous travaillons à Haïti. Dans la quincaillerie en matériaux de construction que papa m'a gagné, nous avons fait livraison bloc. Nous avons un bloc pour nous débattre. Nous n'avons pas de temps aujourd'hui, mais les gens qui achètent le bloc ont besoin de bonheur.
qu'on y a obligé reler nous, il dit nous pas dans bas bloc là dans jour ça pour te balir là, mais demain matin nous obligé porter pour lui bonheur parce que la besoin pour le travail avec qu'on a moins levé à 5 heures du matin ensemble avec deux petits frères pour que moins al bail bloc là. Là nous charger bloc là nous en route, monsieur achita devant machine là. En canter m'a conduit, monsieur achita devant machine là. Et puis m'ont poussé pour me prêcher monsieur à l'évangile. Ça m'était plus jeune. Moi c'était quand 17 18 ans. Il y a 17 18 ans, 19 ans. M'ont poussé pour me prêcher monsieur à l'évangile, même pas comment pour me commencer. M'pas ca ni dit mon nom Jésus même. Non. Son faut qu'on façon pour ouvrir communication. Et bien m'pas poser question pour dire c'est vite. Ou gen l'église dans zone kotorete ya? Et puis il dit oui, gen l'église. Et puis là m commencer prêcher. Commencer me dit ah, si gen l'église assurément qu'on a l'église. Et puis commencer parler et puis commencer prêcher l'évangile. Et puis il prend dit ils sont francs catholiques. Il commencer pendant m'veut prêcher l'évangile, il veut dénigrer l'évangile, m'va prêcher là sans beaucoup même prêcher. Allez voir qu'on y a carré marqué qu'on y a un monde sortant rivé sous lui ou Jésus amen. Mission nous c'est prêcher mon l'évangile, c'est faire mon venir à la repentance. Si m'entre l'église là, moi elle gain trois places qui vide, mission c'est pour me dégager, pour me remplir, pour me venir avec elle. C'est pour me remplir, ça fait quelque soit titre ou gagner ou venir recevoir premier titre que ou recevoir automatiquement au fin accepter Jésus-Christ ou baptiser, premier titre ou gagner c'est titre évangéliste. Premier titre gain c'est titre évangéliste. Nous chaque nous gon partie évangéliste en dans nous. Nous sont évangélistes en partie. Ça veut dire l'important pour nous prêcher l'évangile. Ça c'est yo. Mais chrétien tout, il gain une mission sociale. Il gain une mission sociale. Action sociale yo tout yo basé. Yo basé yo chita en dans mission spirituelle. C'est ça fait bon Dieu pas seulement créer l'homme spirituel mais il créer l'homme avec des parties matérielles. C'est une façon que les actions sociales pour montrer que il fait partie de mission. Daniel c'est un homme puissant. Mais la Bible raconte que il y a deux gros tâches, deux gros missions. Daniel te gen en partie une mission pour te expliquer avec roi tout songe que il fait. Mais Daniel tout te fait partie alors est-ce que c'est pas percer tes contributions Daniel te yé? Bon, je vais chercher ça un moment. Daniel te chita pour te décortiquer ou bien expliquer wa songe liyo. Mais Daniel te gen alors ça qui son mission spirituelle parce que c'est bon Dieu même qui te baille Daniel explication songe yo. Mais il raconte que Daniel aussi OK? C'était un fonctionnaire de cour litéré. Il était un fonctionnaire de cour et en même temps il était interprète les songes du roi. Ça veut dire sous capable remarquer là ou après première mission c'est fonctionnaire de cour, fonctionnaire de courlier et après il t'a pas exercé, c'est pas que il pas qui t'en gain dans sang mais exercer ou bien commencer exercer mission. Première mission que Daniel t'a commencé exercer c'était fonctionnaire de cour. Ça veut dire assoyant nous pas seulement gagner une mission spirituelle, nous pas seulement là pour nous prêcher l'évangile mais nous là pour nous faire un travail social et tout. Joseph c'est vrai Joseph t'es une mission spirituelle. Mais
Ou après, ce n'est pas lui-même qui était en premier lieu. Ce n'est pas lui-même qui était en premier lieu. Joseph, pas qu'on côté dans la Bible que dit Joseph était qu'on prier pour le monde. Joseph te connaissait, c'est Joseph te connaissait. Là, ça fait l'arrivée qu'à Potifa. Première mission Joseph te gagné, c'est pour te gérer les affaires sociales. C'est pour te gérer bagay que Potifa te gagné. C'était première mission Joseph. C'est après, Joseph va recevoir un tâche pour exercer mission d'interprète. Pour commencer à interpréter révélation que le gain des prisonniers ensemble avec l'andan prison hein, jusqu'à ce qu'il doit venir tomber devant roi pour interpréter vision hein. Les actions sociales, des chrétiens ont mis trop d'accent sur la pratique d'action sociale. Ils ont fini par négliger la prédication de l'évangile par action sociale, je veux dire les spectacles de rue, les nettoyages dans la rue, la construction d'hôpitaux, d'orphelinats et d'écoles, les concerts, les jeux avec les enfants, les repas offerts, l'aide aux SDF. Ça veut dire qui ça? Nous venons garder nos moments, nous venons arriver, nous venons plus voulons baser sous mission sociale. Nous venons plus voulons aider les gens. Mais prêcher l'évangile, j'en peux prêcher là, il n'y a pas de sens ça encore. Et ça, il faut après qu'on y a là. Depuis mon affaire bien côté, caméra elle tout en l'air. Caméra elle tout en l'air. Il commence à faire vidéo, il te fait ceci, il te fait cela pendant la bail mon manger, la prof figi mon là, la blague sur réseaux sociaux, tout mon après elle te bail mon manger. Gien mon qui fait ça, on comprend, c'est pour ta jeune plus aide pour avancer, mais par contre la Bible dit l'a bail, c'est pour bail en façon pour mon pas même moi sous bail. Assoyez-vous parce que c'est important pour l'Église qu'on mission. Pour moi-même avoir pour nous connaître mission. Pour nous connaître qui action nous doit poser. Assoyez-vous pas chita sur les choses sociales, mais nous voulons parler plus de mission l'Église, de recevoir, non mais mettre l'Église là, mettre l'Évangile là. Parce que Jésus dit, je suis la tête du corps de l'église. Je suis la tête du corps de l'église. Et c'est même Jésus qui te dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Assoyant, combien de monde nous prêche l'évangile? Combien de monde nous mène l'église? Combien de monde nous voyons réfléchir sur la ville? Parce que bon, j'en prêche mon dans l'évangile, garantie, l'oblige à faire une réflexion. Pendant que chita avec Zamia dans le travail là, au lieu d'entrer dans l'autre dialogue, ou bien un bonjour comme ça, ou pas entrer dans l'autre dialogue avec elle, on dit, frère, en dépit de tout jeune à vivre, est-ce que au moins qu'on ait une bonne raison pour vivre sous terre ça? Est-ce qu'on ait une bonne raison, une grosse raison pour exister? L'autre dit mon nom bah comme ça, me garantit mon nom pour le besoin qu'on ait. Qui s'est passé? Moi me connais qui bonne raison ça. Et tant que les amis me racontent, et puis c'est là pour dire au bon mission, au bon mission, mission c'est rentrer dans le corps Christ et puis faire. Fait même bagarre ouais m'a fait la prêcher mon évangile. Nous venons réaliser que prêcher mon évangile c'est plus gros défi l'église gagne. Il y a mon qui prêcher mon évangile seulement en dans l'église. Et ça fait en Haïti ou après un programme nous a fait, il y aurait le programme d'évangélisation. Ça veut dire prêcher mon l'église l'évangile encore. Moun ki konn l'évangile en partie, c'est même yo même y a prêché l'évangile. Ou relé programme nan programme d'évangélisation qui bol fait en dans assemblée. Pourtant Jésus-Christ dit allez. Fait de toutes les nations des disciples. Assoyez-vous parce que li important pour motiver la vie sous la prédication, sous l'évangélisation. Prêcher mon l'évangile. Prêcher mon l'évangile. Prêcher mon l'évangile. Et ceci, prêcher mon nom pas connaît. Mon nom pas connaît, mon nom croisé dans le travail, c'est yo pour prêcher l'évangile. C'est yo pour prêcher l'évangile. Paul tellement vient réaliser que le plus gros devoir qu'il gagne, c'est prêcher l'évangile. En même temps, lui-même, il tellement constaté qu'il y a plein de monde qui rentre prêcher l'évangile. Et ça fait pas venir avec grand texte ça. Pour qu'il montre que le différent.
pour qu'elle montre qu'elle comprenne pas qu'elle est en l'autre gens. Parce que Paul, ouais, en pile monsieur, en pile monde qui t'a droit à prêcher l'évangile, mais il a du mal pour le faire. Et mais ça fait Paul pour elle dit, je n'ai point honte de l'évangile. Et tout ça qui t'est déclaré dans la Bible, il t'est déclaré à travers une circonstance. C'est parce que Pierre, à Paul, t'a réalisé que monsieur, il t'a honte de prêcher l'évangile. En pile jeune, t'a honte de prêcher l'évangile. Je ne veux pas dire ça privé. Les jeunes garçons, en vérité, le pape d'accord pour dire au monde. Comme si pour le même temps, Dieu dit Jésus après les Jésus t'a rien utilisé. Il va même d'accord attendre. Pas besoin de dire pour mon salut, même il t'a levé pied pour t'a prêcher mon évangile. La mission de l'Église, c'est de prêcher la bonne nouvelle de Jésus. C'est d'évangéliser la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Allez prêcher, allez expliquer mon dehors, mais comment Jésus t'est venu. Allez expliquer moun yo mais pour qui ça Jésus t'est venu mais pour qui ça t'est fait mais qui bol t'est fait maintenant qui l'elle t'est fait mais pas qui a si t'est fait expliquer moun yo mais comment Jésus t'est vive mais raison la vie Jésus-Christ mais pour qui ça Jésus t'est vive mais qui ça t'est fait pendant ta vive mais qui ça a été fait et mais pour qui ça a été fait méchanceté expliquer moun yo tout genre de bagaille ça yo moun yo besoin connait gen moun ki ta renmen connait qui t'a mis tant d'eau qu'à expliquer, mais pour qui ça Jésus te prend la croix, la mort de Jésus, pour qui ça? Avant Jésus te mourir, pour qui, comment il te mourir, pour qui ça te mourir, qui ça te fait, pas qui ça te mourir. L'elle te mourir, ou bien avant il te mourir, qui parole il te déclaré sous la croix, moun yo t'a mis tant d'eau à évangéliser avec green parole ça. Moun yo t'a mis tant d'eau à dire, mais qui l'est Jésus te ressuscité, mais qui bon, mes premiers moun, ou bien mes premiers groupes moun qui te allé à la cavoua, mais qui sa zanjan, mais qui y a qui te paraît. Mais pour évangéliser de cette manière, faut que vous cherchez la connaissance. Faut que vous cherchez la connaissance. Faut que vous cherchez la connaissance. Faut que vous cherchez qu'on est. L'évangile il gagne 5 grands points là-dedans. Grand point là-dedans, et comme si son enveloppe qui gagne 5 objets là-dedans, ou bien 5 bagages en dedans qui précieux. C'est la naissance de Jésus-Christ. L'évangile, premier point que rejoint dans l'évangile, c'est la naissance de Jésus-Christ. Deuxième point, c'est la vie de Jésus. Troisième point, c'est la mort de Jésus. Quatrième point, c'est la résurrection de Jésus, et cinquième point, c'est l'ascension de Jésus-Christ. Un chrétien doit comme ça. Un chrétien doit apprendre qu'on est là, qui c'est quoi la vie de Jésus-Christ. Comment que c'est quoi la naissance de Jésus-Christ. Comment Jésus est né, qui côté. Comment Jésus est enlevé, ascension de Jésus-Christ. Comment et qui ça Jésus a fait actuellement là. Comment ça y est. Pas qu'à suivre un monde, pas qu'on a un délit. Une chose que m'tab dit au monde, m'tab prêché au monde l'évangile, il était dit comme ça, il pas croire dans Jésus. Mon n'a dit il pas croire dans Jésus. Gen monde qui t'a découragé ou bien qui t'a pas le fait contre ou bien qui t'a pas parler. M'dit mes frères, comment on ca faire croire dans un monde que ou pas qu'on même essayer suivre même. Faut qu'on cherche contre monde ça et après on va connait sous pas quoi dans lui. Dans plein monde qui a dit pas quoi dans Jésus, en plein monde qui a dit pas quoi dans Jésus, en plein monde qui a dit pas quoi, yo pas quoi Jésus existe. Yo pas quoi mais c'est pour dire monde comment on va faire quoi sous pas faire expérience avec. Comment on va faire quoi dans pasteur Wilber Valse si pas même qu'on si pas passer 2 minutes à parler avec elle. Si me vienne parler de un monde, d'accord, c'est parce qu'on pas connait monde qui fait vienne parler de lui frère. Ça veut dire pour jouer une parole ça yo faut qu'au moins on étudie la Bible, faut qu'au moins chercher connait comment on fait, comment on évangélise. Et la mission de l'église c'est l'évangélisation. La mission de l'église n'est pas l'adoration. La mission de l'église n'est pas l'adoration. Non. C'est pas comme si je viens m'adorer bon Dieu, c'est l'évangélisation. La Bible, Jésus dit dans Matthieu 28, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples. Jésus qui dit ça. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit baptisez-les. Et après, au fin de baptiser, il dit enseignez-les. Enseignez-les. La mission de l'Église, c'est aller faire de toutes les nations des disciples. Je ne vais pas rentrer dans l'Église. Je vais accepter Jésus, me convertir. Et puis, je ne vais pas rejoindre le monde qui a formé.
pour pas jeune monde qui a fait éduquer qui a fait éducation nous et ça fait après même l'église des États-Unis malgré comment ça Jean ça y est il a créé opportunité parce que ben plutôt faire sous ligne téléphone il a fait une heure combien minutes fait il doit faire savoir vivre avec nous so, c'est bagage ça yo en pile monde pas jeune en pile monde pas formé. Mais après, les gens qui ont été disponibles, et nous avons un serviteur qui tellement voulait faire travailler aller loin, ils ont mis live sur YouTube. Pas bon monde qui a un téléphone dans le moment, ça n'a pas YouTube. C'est parce que pour montrer que si vous ne pas apprendre, c'est vous ne pas parler. Si vous ne pas prêcher l'évangile, c'est vous ne pas parler. Ou bien c'est parce que peut-être vous ne pouvez pas prendre devoir. Ils sont chrétiens, ils sont servants de bon Dieu. Et tant que serviteur de Dieu, tant que servant de Dieu, vous n'êtes pas capable d'évangéliser les gens. Yo pa carré le chrétien sou pa évangéliser moun. On soit dit l'italien dans commencement, yon docteur qui pa soigner moun, ou pa obligé rele moun sa docteur. Yon chauffeur qui pa qui gen licence semaine, qui pa jamais conduit yon moun. Pour qui ça mre le chauffeur là? Yon moun qui plombier, hein, qui apprend comment pour couper un tuyau, pour remonter, pour mettre ceci, mettre cela, mais pa jamais gon voisin qui gen problème ça la cali serviteur moun sa ki plombier il parler de moun nan ou bien pas le travail il parle fait moun sa pou ki soirée le plombier ou gon moun la kayou ki presque mouri avec yon dépression et puis gon docteur bien gon mis tout près ya ki pa capable aider moun sa ki parle de moun pou ki sa mrele moun sa docteur et bien c'est même gens si quartier la kay moun gen pile moun ki pa accepter Jésus-Christ yo pa ka recevoir yo pa ka wè moi même ka vinn camper devant yo pou m'a prêcher l'évangile yo pa obligé rele m chrétien. La mission de l'église c'est l'évangélisation, c'est faire de toutes les nations des disciples. M pa ka rond prêcher moun l'évangile, m pa ka timide prêcher moun l'évangile si m c'est chrétien, si m gen temps fait tout ça qui possible pour me recevoir l'esprit Saint en moi. La Bible dit ça. Christ ne nous a pas donné un esprit de timidité. Non, l'esprit de timidité ne vient pas de Dieu. Apôtre Paul après déclare en parole qui est plus puissante, dit d'aller. Apôtre Paul dit je n'ai point honte de l'évangile. Pour qui ça pas honte? Car c'est une puissance. Puisque l'évangile sont puissance, apôtre Paul dit pas honte. On pas capable de croiser monde qui pas converti sous chemin, m'pa jamais capable parler de la vie de Jésus-Christ, de la naissance de Jésus-Christ. M'a travaillé dans un groupe païen ou bien dans un groupe monde qui pas jamais prendre décision pour l'église qui besoin comprendre Christ. Et un monde qui pas vienne l'église mais qui pas accepter Jésus-Christ, c'est parce qu'il pas en connaissance. Monde n'a pas choisi font bagage qu'il pas connaît. Monde a vivre dans ignorance. C'est pas comme si monde n'a pas avlé. Ça pas existé monde n'a dit qu'on ça pas avlé. Moun nan pas vle. Non, moun nan vle. C'est parce que moun nan pas en connaissance. Moun nan gen doit pas vle faire parce que pas konn ça pral faire. Li pas konn ça. Même les gampé moun ki choisi font bagage même leur pas konn ça ou faire. Mais si moun nan comprendre ça ou dit là ou bien chita ou expliquer là l'évangile ou bien parler de l'évangile, moun garantie mes frères et sœurs, normalement supposé prêt. Il supposé accepter Jésus-Christ et ça fait après. Dans Actes chapitre 2, on se dit là, apôtre Pierre a prêché l'évangile, apôtre Pierre a prêché l'évangile. Li pape alors il a prêché en partie un morceau dans l'évangile qui c'est la résurrection de Jésus-Christ, mais c'est à parler de comment Jésus-Christ ressuscité. Apôtre Pierre a parlé de comment Jésus-Christ ressuscité de qui bon, il t'a dit mais qui monde qui t'a dans caveau avant, mais qui monde qui t'est présenté devant monde qui t'a dans caveau, mais qui ça t'a dit, l'a dit mais pour qui ça? Mais pour qui ça a été ressuscité? Mais qui ça a été dit avant de mourir? Il y a apôtre Paul a parlé de ça yo. Et puis non ça seulement apôtre Paul a prêché puisque nèg la son nèg de connaissance lié puisque apôtre Paul connait ça l'a expliqué là, il étudier pour alors apôtre Pierre, il étudier pour ça, il formé pour ça, il connait ça l'a dit très bien. Eh bien, il tellement détaillé, il tellement expliqué bien, moun yo édifié 3000 moun vin dans la repentance. 3000 moun vin dans la repentance. Pour qui ça? Parce que non seulement apôtre Paul t'a expliqué bien, mais il t'a gagné aide Saint-Esprit. Parce que c'est pendant on peut expliquer là, faut qu'on parle un professionnel. Faut qu'on parle un professionnel. L'homme dit professionnel, il y a un monde sans puissance qui a prêché l'évangile. Il y a un monde qui étudie la Bible. Là l'école théologie là, étudie la Bible, il connaît sa Bible là.
et puis il commence à prêcher l'évangile, mais pourtant il n'y a pas qu'un esprit saint avec lui. Il n'y a pas gagné ça où il est. Comme tu es capable de dire ça, la présence. Il va gagner présence mettre l'évangile là avec lui. Mais seulement lui, puisque la Bible écrit noir sur blanc, il y a des gens qui connaissent expliquer la Bible, et bien il tente comme expliquer, il mettait connaissance pour prêcher l'évangile, mais en réalité, il n'y a pas gagné. Et ça fois après, moun sa même la prêcher l'évangile. Gen moun ki comprend l'évangile là, mais li pa joindre. Moun sa comprend li pa joindre un toucher du Saint-Esprit. Li pa joindre un toucher du Saint-Esprit. Parce que moun nan non seulement il doit attendre, mais il suppose joindre un toucher du Saint-Esprit. Et ça fait même Jésus-Christ a dit ça. Jésus dit pas gen moun ki ka prend, il dit papa, moun ou ban mwen yo, pa gen rien ka prend yo. Pourquoi ça dit mon nom bambou? Parce que c'est bon Dieu, même avec puissance et avec l'esprit là qui touche mon nom qui fait revenir à la repentance. Assoyant, parce que c'est très important. Sur statut téléphone, nous prêchons mon l'évangile. Ou bon zami qui pas j'aime à l'église, ou après inviter tout le temps, pas seulement inviter l'église. Prends 10-15 minutes, commencez par la veille de Jésus-Christ. Montrez le sac l'évangile là. Essayez de dire, mais qui est ce dans l'évangile? Ballon bourse ou même avec Apôtre Paul qui te fait. Étudier la vie de Jésus-Christ et puis commencer par le monde de la vie de Jésus. Étudier la naissance de Jésus-Christ et puis commencer par le monde de la naissance de Jésus-Christ. Étudier l'ascension de Jésus et puis commencer par le monde de l'ascension de Jésus-Christ. En partie, on va réaliser que on vient gagner plus capacité pour faire, pour accomplir mission. Et si il y a une couronne qui est réservée, d'après ça que vous racontez dans la Bible, si il y a une couronne qui est réservée, je garantis qu'il faut une mission qui pourra accomplir pour capable bénéficier de la couronne. Assoyant, la mission de l'Église, c'est l'évangélisation. Les choses sociales sont très importantes aussi. Mais, le premier bagage qui est important, c'est l'évangélisation. Christ besoin pour bal nam. Jésus-Christ besoin pour bal nam. Nam. Ça, Jésus-Christ besoin. Assoyant, à nous faire effort pour que nous développer capacité ça la caïdon. Pour nous capable faire bon Dieu plaisir. Pour nous capables de paraître bien, paraître bon devant mon Dieu. Parce que c'était là nous voulons arriver ensemble avec vous pour nous montrer que nous avons nécessité pour prêcher l'évangile parce que c'est mission, pour évangéliser parce que c'est mission, nous en tant que chrétiens qui a vivre ou bien qui fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Nous allons arriver à un côté moi le bon et puis nous ne pouvons pas parler de lui. On pas qu'à inviter monde venir là-dedans parce que ça est important. Si moi vont côté bon, faut moi non seulement parler de lui mais inviter monde venir là-dedans. C'est mission nous ça. Pas jouer avec mouvement yo pour dire que au timide ou honte. Non, pas qu'à honte prêcher mon l'évangile. Et tant que chrétien, plus que chrétien dans l'évangile, l'évangile trop bon pour me faire honte prêcher mon évangile. Non. On nous fait effort ça. Pour nous prêcher même un grain de mon évangile par jour. Et puis nous garantir. Gain priorité qu'on fait, gain demande qu'on fait. On pas besoin de faire encore. Parce que bon Dieu Geta répond prière, Jésus-Christ lui-même lui dit ça, automatiquement on commence d'accord camper. Pour commencer camper devant monde pour Christ, lui-même l'a camper devant papa pour vous. Et ça fait nous voir dans Actes. Ça fait nous voir dans Actes chapitre 13 verset 47. Mon message changé, mon message changé. Normalement, je viens faire émission, je me dis non, ça clair. Moi un peu triste. Moi
moi un peu dominé. Même pas décidé de quitter ça porter malé. Je suis capable de choisir de faire mission à soi. Hein. Ah ben oui, mais les me garder pour moi. Ils ont devoir bien, ils ont mission. On pas de quitter un lien privé ou des missions doit accomplir. Je dis m'a venir quand même. M'a venir partager de ça, m'a partager quand même. Normalement pas une machine, c'est ou même payer pour venir là. Bon Dieu bon programme. Ou ka imagino. Li c'est coup. Vin là en bas l'appli. Les en bas. Vin là en bas l'appli. Silence. Confie ou non. Même gon raison. Ou pas de droit chum. Fais ça doué faire. Fais ça doué faire. Et pour après programme bon Dieu gain pour. Les en bas. Tendez ça. Il dit fais silence. Il dit fais silence. Confie ou non. Attendez. Moi-même m'a fait silence. M'a fait silence. Confie ou non. M'a confié dans bon Dieu. Ou pas de droit. M'a pas de droit, j'aime souti honte. Dit fait silence. Dit fait silence. Dans Acte chapitre 13 verset 57. Il dit en effet tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Dit fait silence. Tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Mais enlever mon mission là. Il dit son l'ordre. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour apporter le salut. Pour apporter le salut. Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ou pas chrétien pour chrétien. Ou pas chrétien pour chrétien. Mon chrétien pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Dans Marc chapitre 16, verset 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez dans le monde entier. Proclamez la bonne nouvelle à toute la création. C'est la mission de l'église. C'est la mission d'une femme de Dieu. C'est la mission d'un homme de Dieu. Ouais, il y a toutes ces missions, ça c'est évangéliser. Merci mon ces missions, ça c'est évangéliser. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit facile. Confiez ou non. Ah, ou pas gagner droit. Dis-moi quoi contre ça. Bon Dieu, bon programme. Bon Dieu, bon pour chaque petit, pour chaque petit. Dis-moi, les gens battent. Les gens. Qui ça dit? Lizzie fait. Ah, confiez-vous. Ou pas gagner. On a le bon. Bon Dieu, bon programme. Bon Dieu, bon programme. Pour chaque petit, il se couvre. Les gens battent. Lizzie fait silence. Lizzie fait silence. Mon but j'ai changé baga là. Mba ka ki ton triste sa pote malé. Pep bon Dieu ou pa gen droit chant. Petit bataille. Envoué ou pa gen levé mon nom. Petit bataille. T'attaque ou pa gen droit chant. Petit bataille. C'est calme ou pa gen droit chant. Poste petit frère. Ou pa gen droit. Madame passe oui. Madame pasteur. Ou pa gen droit chant. Pasteur Wilbert. Baka perdi. Quel que soit côté, réalisez que pas qu'a perdu bataille. Ou pas de droit, Jean. Ou pas de droit, levez mon nom. Ah, ou pas de droit. Allez, bonjour, bagay. Parfois, c'est parce que vous triste. Parfois, quand on triste, on ne pas décider de faire rien pour Christ. Au contraire, si vous ne décidez pas de faire rien pour Christ, vous sentez tout à mourir. Vous sentez tout à aller. Mais vous avez qui dit là, vous n'avez pas jamais perdu la bataille pour d'accord faire ce que vous faire. Jésus-Christ dit d'accord camper pour moi devant les hommes, moi-même, je vais camper devant papa pour nous. Bon, vous avez actuellement là, c'est nous qui devons camper devant les hommes. Jésus-Christ pas venir camper devant les hommes pour prêcher l'évangile encore. Jésus-Christ pas venir faire encore. C'est pendant que vous pouvez raconter ça, Jésus t'est venu faire. C'est pas d'où après raconter comment Jésus t'est venu, ça te dit. C'est là où vous prêchez l'évangile. En d'autres termes, c'est là où vous prêchez la bonne nouvelle de Jésus. Dégage-o. Râlez esprit d'évangélisation, Mitsou.
C'est pour demander bon Dieu dans la prière. Oui. Si son timidité cap crase, dit Seigneur, me déclarer sous la vie dans le nom précieux par ta puissance. Par ta force. Par le nom de Jésus. Il est plus haut. Me déclarer c'est pour timidité ça quitter. Dans tout bagage. Qui ça plus fort passer bon Dieu? Qui ça plus fort passer Jésus? Qui ça plus belle passer l'évangile? Bah qui belle comme ça? Bah qui douce comme ça? Et puis pour me faire prêcher. Moi béni dans où? Jéhovah Shalom. Moi m'aligné. Où sera pas moi? Espoir la vie. Dans Matthieu 5, verset 14, bon déclaration qui est faite pour nous-mêmes, l'Église. Pour l'Église, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Puisque vous faites partie de l'Église de Dieu, de Jésus-Christ. Puisque vous êtes dans l'Évangile, vous êtes des chrétiens. Alors, bon Dieu, fais-nous une lumière monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. L'évangile à trois vous pouvez parler de lui. Confiez-vous dans lui. M'bralaler. Mais m'abdou ça. Pas oublier vos missions. Si vous ne pouvez pas contrôler ça, gardez la vie là. S'il dit faire silence, vous baguez d'oiseau. Petit bâton, Jéhovah Shalom. Moi, béni dans vous, Jéhovah Shalom. Moi, à vous. Poussez-la par moi, et sois la vie. Regardez, nous allons prier à soi, hein, pour bon Dieu jeter esprit d'évangélisation sur vous. Partagez-le avec un chrétien pareil. Partagez la mission avec un serviteur pareil. Surtout avec un monde qui a des difficultés pour prêcher l'évangile. Nous allons prier à soi, hein, parce que nous ne pouvons pas ignorer la mission. Émission sous Étant que chrétien, étant que serviteur de Dieu, étant que homme de Dieu, il pas qu'à rompre prêcher l'évangile. Libre mission ça pour m'aller faire de toutes les nations des disciples. Il pas qu'à rompre prêcher. Il pas qu'à rompre parler. Et bon, nous avons en passant, même nous avons très simple en passant. Nous ne pas prêter trop sur lui parce que c'est un grand sujet lié. L'évangile, nous vivons là, c'est un bagage comme si qui n'est pas fait pour nous. C'est un bagage que nous venons héritier par grâce, nous venons jouir par grâce. Et raison l'Église existait sur la terre, Jésus-Christ dit ça, il dit Pierre, tu es Pierre, sous cette pierre, je bâtirai mon Église.
l'église vienne sur la terre, Jésus-Christ est venu sur la terre pour mission ça, pour être capable de bâtir l'église li. Mais pour bâtir l'église en tant qu'ingénieur spirituel, il connaît que il y a un plan pour le tracer sur le plan spirituel. Il va pas mettre l'église pendant que il connaît après il fin implanter l'église là, il prend monter en l'air pour pas former monde pour être pour mener l'église là. L'église ou en d'autres termes, l'église tant de Samuel Diacle très bien là. Ça, son pas connait que en pile monde connaît mais en pile monde pas connaît. L'église que nous est là, pour qui ça l'église chita sur la terre, c'est parce que Satan qui te gagne non Lucifer qui était en l'air qui vient comme si péché qui vient orgueil que bon Dieu vient expédier vient sortir retirer dans ciel qui vient chita sur la terre laisse après vient sur la terre Satan joue une terre vierge il pas grand monde qui dirige il pas grand monde il pas grand représentant comme si pas grand groupe monde qui a adoré bon Dieu non ça pas coexister mais là bon Dieu garde ouais ça comme ça il dit mais pas de problème. Moi mettez Adam seulement avec Eve ou convaincu, pas vrai? Mettez Adam avec Eve ou convaincu, mais qu'on y a là, on va aller faire l'autre plan pour vous. Il s'appelle dit, il dit ça, un serviteur, on va aller voir, il va écraser tête ou seul si t'écraseras ta tête, La vie, il va écraser tête. Attendez ça, m'a dit bien. Les bon Dieu garde le degré mon dans jardin Satan convaincu et il vient mettre l'église il vient mettre un groupe monde Jésus-Christ dit sur cette pierre tu es pierre sur cette pierre je bâtirai mon église. Attendez, l'église c'est royaume bon Dieu sur la terre. L'église c'est royaume bon Dieu sur la terre. L'église pas seulement un groupe monde qui réunit pour qui comme si qu'il la comme ça. Automatiquement on gagne dans l'église, ou d'accord pour marcher selon la volonté de Dieu, ou plein puissance. Maladie pas camper devant, épidémie qui a frappé, il dit ça dans Somme yo, il dit nous pas besoin peur épidémie ni virus qui va frapper ni en plein midi ni en plein minuit. Nous pas besoin peur, nous gagne puissance pour chasser maladie, chasser démon, quel soit démon, mettre les sont en bas gloire monter. Il montait l'entraînement dans le monde, saccagé dans l'église. Parce que debout seulement parler ou dire au nom de Jésus tombé. Les bien puissances exercées, les bien démons tombés. Parce que l'église est puissance, c'est représenté bon Dieu sur la terre. Yon moun pas qu'à résister à la puissance démoniaque. Deux moun pas qu'à résister à la puissance démoniaque. Mais trois moun. Ha! Yon moun, ça te katant ton moun et puis il tombe. Bip! Il katant deux moun là, boum, yon tombe. Yon fia en garçon quand même côté même là plein puissance bon Dieu dans yo depuis ça tenté yo là facilement y a tombé dans péché. Mais la Bible dit attendez bien m'a tout bon secret lorsque Jésus-Christ dit comme ça côté nous deux nous trois réunis m'la avec comme un présent d'esprit pour bénir sanctifier. C'est parce que le connaît les grands grains de mon côté li faible les gars deux monde qu'on côté li faible. Mais lorsque nous deux, nous trois, réunis dans le nom Christ là, dans le nom Jésus Christ, on grand monde 40 camp pour côté là, il campé dans le nom Christ là, et puis il tentait de tomber. Mais lorsque nous deux, nous trois, nous une corée l'autre, et bien il y a une difficulté, et ça fait l'église vient sous la terre. L'église c'est royaume bon Dieu sous la terre. Et ça fait Jésus dit, je suis la tête du corps de l'église. Je suis la tête du corps de l'église. Et ça fait comme mouton, on dit pour mouton, il représentait l'église. Comme mouton, alors pour mouton que bon Dieu te prend te couvrir l'homme, il représentait l'église. Automatiquement, quand Adam te couvrit avec pour mouton, péché là te caché. Péché là t'es caché. Automatiquement t'es couvert avec peau mouton. Péché a t'es caché. Comprends bien ça m'a dit. On commence à changer bagage. C'est parce que bon Dieu commence à bon mon lot. Force tristesse m'a commencé à disparaître. M'oblige à mettre chalet dans l'émission. Parce que l'émission ça est l'émission source de motivation. Ou pas qu'à brancher en balle pour être un commun qui pas grand quelle motivation. Ou pas qu'à arrêter là pour pas jouer nos nouveaux bagages. Tenez bien ça m'a dit là. Ça important. Quand alors mouton ça que Jésus que bon Dieu t'est touillé pour t'est habillé avec Ève dans le jardin après péché a pour mouton il représentait l'église. Dans l'heure que bon Dieu t'est metté pour elle t'est fait transformer en rat. Il t'est couvri quand Adam avec Ève son façon pour t'est couvrir péché a. Qu'on y a là
Lorsque on dit que Pomoutouan représente l'église, il te fait alliance, bien il te symbolise l'église. C'est parce que automatiquement, il y a un fait ça, boum, l'entre l'église, moun ouel on l'autre gens. Les moun nan fait ça, il dit boum, pral l'église, moun gade l'on l'autre gens. C'est même gens. Après péché Adam avec Eve, bon Dieu te voyait en façon qui drôle, bon Dieu te voyait en façon qui pas normal du tout. Et qui ça, bon Dieu dit, pour que peut-être, ouais, l'homme en l'autre façon, bon couvrir péché. Bon couvrir péché. Et bien, il prend le tuyon bête. Il prend le tuyon créature pour être capable de couvrir l'autre créature. Il prend le tuyon créature pour couvrir l'autre créature. Il prend le tuyon créature pour couvrir l'autre créature. Attendez, ça m'a dit bien à soi parce que c'est pour vous m'a parlé. C'est pour émission, hein. Émission source de motivation, entre la caille pour le motiver, pour capable comprendre l'évangile en l'autre façon. Tendez bien. Ça important pas qu'à courir avec elle. C'est prier me travailler prier mais le monter dans l'esprit moi. Femme doux qui ça l'églisier. Mes amis, vous pas de trois gens. Salut Jamita. Tendez ça me dit là bien frère. Adoration ça important m'obligé tourner back. OK. Pour mouton, il symbolisait l'église. Ça fait Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la tête du corps de l'église. Nous pas oublier que nous sommes dans l'église, dans la chrétienté, qui est la Sainte Seine, qui vient deux parties. Deux parties, ça y est, c'est ce qui symbolisait le corps, alors la chair et le sang de Jésus. Ou bien la chair et le sang de l'agneau que bon Dieu t'a tué pour te prendre poa. Il te prend poa, il te couvre Adam avec Ève. Et bien, t'es arrêté pour te utiliser la chair et le sang de cet agneau-là. Il te arrêté pour te utiliser corps, alors chair, ou bien vient avec sang agneau. Puisqu'elle te get en prend poa, il te get en prend poa pour te faire rade pour monsieur d'agneau. Pabli me dit poa, poa annual symbolise l'église. Parce que automatiquement bon Dieu fait rad li mette sous Adam avec Ève. Li vin mette au dehors dans jardin, c'est vrai. Mais li te voyé en l'autre façon parce qu'elle couvrit péché a. Li couvrit péché a en attendant. Parce qu'elle te getan parler, elle te dit que bon homme qui pral vini sans peau. Il dit bon agneau pral vini sans peau. Parce que peau elle te getan utilisé pour faire rad pour monsieur Damio. Et bien Jésus-Christ pral vini sans peau. Jésus-Christ pral vini avec chair et sang. Tendez bien oui. Bagala trop belle à soi. Bagala trop bon à soi. Et bien lorsque bon Dieu fin fait ça, li couvri monsieur Damio, li wè yon l'autre façon. Et ça fait journée jodi à mon frère, ma soeur. Ça fait jodi à mon ami. Et ça fait jodi à ou même kap tande m la. Automatiquement, on mettra du sou pour rentrer l'église. Moun wè on l'autre jan. C'est comme si moun wè son moun ki a part. Parce que sans alors poa qui symbolise l'église journée jodi à. Même pour ça, à monsieur Damio te mettel sou yo, bon Dieu te wè yon l'autre gens. Parce que le péché a te couvri automatiquement dans l'église là. Même les moun pa konon, moun pa pè kon lavo. Même les moun pa reconnaît tout, moun pa pè relo frère. Même les moun nan pa konon, moun pa pè relo sœur. Parce que l'église symbolise le pot, alors la peau de l'agneau. L'église symbolise la peau de l'agneau. Automatiquement entre l'église là. Mon nom est l'autre chant. Pas de bouffe de l'église là. C'est frère. C'est soeur. Parce que l'église a couvri péché. Péché a beaucoup pardonné. Péché a beaucoup effacé. Mais péché a couvri. Pour chaque petit, se m'a répété le péché a couvri automatiquement entre l'église. Parce que mon relo frère. Mon relo soeur. Ah, vous battez retourne l'autre étape. Rentrer l'église n'a pas suffi. Bon l'autre étape pour bouler. Bon étape pour bouler pour péché capable effacer. Et ça va être parlé dans la Bible pour dire que il ordonne nous pour manger l'agneau en entier. Pour manger l'agneau en entier.
lundi manger agneau en entier, pour à cap couvrir corps nous, et puis sang et puis chair pral en dans nous, non seulement qui te couvrir péché a, mais corps à nous manger a, avec sang que nous boya, li pral effacer péché a. La Bible dit si donc les fils vous affranchis, vous serez réellement libre. Mais ou pas de droit, levez mon nom. Ah, ou pas de oui. Jésus dit, Jésus dit un bagaille. Je suis la vérité et la vie. Automatiquement, on est dans l'église là. Ou arranger pour jouer avec mon Dieu. Ou commencer à prendre cette scène. Ou manger pain. Hein? Ou boire du vin. Hein? Qui symbolise sang et corps Jésus. Eh bien, on vient propre. Ou vin propre, ou vin saint. Pour chaque petit, qui ça le fait? Li se koure yo, le yon bat la, li di fait. C'est pas sans raison, non? C'est pas sans raison, li important pour étudier la Bible. C'est pas sans raison, li important pour chita dans la Bible en détail, le pasteur Wilbert a parlé. C'est pas sans raison pour brancher émission source de motivation. Et ça fait m'amdou, sou poko abonner à la chaîne là. Abonnez Kounia parce que nous live chaque lundi à 7h parfois l'heure variée et jeudi à 7h parfois l'heure variée. À ça nous t'a parlé de la mission de l'église ou la mission d'un homme chrétien ou d'une femme chrétienne. Normalement ou pas qu'a dit moi accepter Jésus-Christ ou converti ou baptisé et pour chita ou pas mais non monde l'église ou pourquoi accepter pas car le chrétien et ça fait un docteur qui pas jamais soigne au monde ou pas obligé de le docteur. Yon moun ki gon licence nan men, ki apprend conduit, ou pas jamais kap conduire machine, ou pas carré le chauffeur. Yon moun ki la, alléluia. Yon moun ki la, amen, ki apprend dessoudé, ki apprend soudé. Li pas jamais dou porte sa selik fel, li pas jamais montre fè forger sa selik montel. Ou pas obligé de le moun sa fè oni. Non, yon chrétien vivant, ki pas jamais dou men moun sa menen l'église. Là, qui pas jamais dit m'te prêché tel l'évangile là, ou pas carré le monde chrétien. La Bible dit, yon moun qui pas exercé sa mandé pour faire ou pas petit. Ouais, Shalom, Jéhovah. Assoi à qui mission? Assoi à qui mission? Assoi à qui mission, frère? Bon grand monde qui a peine abonné à Chanel là. Je suis content ça. Continuez à faire même bagaille là. Partagez. Il se coule. Je sens qu'on grâce qui a découlé là. Je sens qu'on bagaille qui a fait à soi. Et pour me dire ça clair, moi-même qui a partagé avant là, je recevoir à soi. Je m'entre là avec une tristesse. Je descends là avec un gros danger. Je suis passé quelques minutes à crêler, à glou, à couler dans le jeu. Je me sentais faible. Je me sentais seul. Je ne sais pas comment je suis venu là. Je me dis même à venir quand même. Parce que son mission, son devoir. Pousser comme ça, lui dit fait. Ah. Et ça fait au même qui a tristé. Pas perdu courage, pas perdu la foi. Ou pas de toi, ou pas de toi, ou pas de toi, devant mes chants, ou pas de toi, devant ma caille, ou pas de toi, devant un pire, ou pas de toi, ou pas de toi, ou pas de toi, ou pas de gardons l'évangile. Gardons l'évangile. Va Jésus.
monde qui a fait dans Haïti pas reconnaître ses corvées à faire malgré a fait corvée yo à l'aise malgré a fait corvée yo à l'aise pour yo propager ça y a 20 ans ça yo hier pas besoin de dire pour moi même avant qui ont espoir et yon espoir sans pareil émission ça émission liée oui émission ça c'est émission liée c'est ça on veut faire dans émission c'est lui qui a fait c'est ça qui a fait bien c'est lui qui a fait moi je bagarre soir si on bagarre que tu as voulu connaître ou tu as voulu me débattre ou bien tu as voulu faire une recherche et venir partager la voilà numéro c'est 561-993-0708 écrit dims frère et même besoin sujet ça m'a mon développer mon question pour vous m'ta maintenant prochaine dans l'op monter encore finavel pour moi victoire pour ça final réponse là elle me garantit tout ça m'a fait victoire pour famille parce que malheureux va perdre mes amis pour pas de droit yes, au paquet de l'argent, on perdit bataille. C'était Amiel Rosilien. Vous avez vu, moi, méthode en pile. Wow. Moi, méthode de monsieur en pile, et n'est-ce pas une bonne force. N'est-ce pas une bonne force pour m'avancer. Assoyez, c'est normal pour moi, c'est ton plaisir, c'est ton grâce. Moi-même, il y en a pas que je connais, qui l'a qu'à moi. Bon, je toujours utiliser pour me capable de porter ça qui est important pour vous-même. Au grand mission, et me veut reconnaître ça. Alors, excusez-moi, dis-moi même, bon Dieu voulait reconnaître que vous avez une mission. Trouver que son désordre lié dans la vie pour pas son journée, pour pas évangéliser le monde. Réaliser ça. C'est pour dire que son héros a prié pour moi si je ne pas évangéliser le monde. Si je ne pas prêcher mon évangile, son désordre a prié pour moi, je suppose évangéliser le monde. C'est pour réaliser que son désordre a prié dans la vie. Automatiquement, on réalise que ce sont des ordres pour faire effort pour prêcher mon évangile. Ok? Réaliser que ce sont des ordres là, pied pour garder, pour dire, monsieur, agneau ça que t'es tué, qui ça le symbolise? Agneau ça que t'es tué, je ne j'en dis, qui ça le symbolise? Bâton ça, Moïse, t'es gagné dans le temps de mener le peuple Israël là, je ne j'en dis, qui ça remplace bâton? Qui ça bâton ça te symbolise? C'est pas comme ça yo. Hein, Moïse mon bâton nan men. Bon Dieu t'a dit longer bâton, c'est à tout à bâton t'a fait tout bas. Journée jodi hein. Qui ça me doit utiliser? Qui ça me doit utiliser? Journée jodi hein. C'est ça qui parle Edo avancer dans l'évangile. Pas oublier que brancher émission source de motivation. Nous sommes source qui a coulé pendant la couler là, la motiver pour aller faire recherche. Ou mon téléphone intelligent nan men ou. Monte sou YouTube, monte sou Google. Fon recherche non. Pren bibou mon frère, ma soeur. Pren bibou non. Mette connaissance nan tête ou. Mette connaissance nan tête ou. Hein? Ou pas agréable nan Dieu bon Dieu. Lò gen connaissance oui. Ou agréable. Bon texte qui parle de ça clair. Bon moi si mwen ni lam ta partage l'ensemble avec ou. La différence qui gagne avec les gens comme si simple devant mon Dieu avec les gens agréable. Yeah, agréable. Bon me faire recherche ça pour parce que l'important, nous pas qu'à vivre simple, nous pas qu'à pas j'aime comment on dit que Moussa
innover. Nous pas jamais nous levons nous dans l'évangile, nous pas jamais avancer, nous pas jamais dimensionner, nous pas jamais onctionner. Nous pas jamais une puissance qui rentre là caï nous. Hein? Nous pas jamais chercher la connaissance. Son connaissance avec la connaissance ou arriver à atteindre avec objectif dans le monde spirituel. Bon, tu as un bagage. Dans Hébreux chapitre 11 verset 6, lisons un texte. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Moi, je vais montrer un bagage qui est dans le texte là. L'offel ou bien grandi spirituellement. L'or lit un texte, pas seulement lit texte à d'asset. Non, faut chercher. Or, sans la foi, bon, quitte avec stratégie ça, pour capable au moins venir en bas live là lundi si Dieu veut pour dire frère mi merci parce que vous t'ai montré non ça, vous t'ai montré ça. Bon, montre un bagage qui caché. Qui gagne rapport avec mot ça me dit agréable qui gagne en donne la connaissance. Il dit or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire il dit si ou pas quoi même leur prier devant mon Dieu, bon Dieu pas agréé, bon Dieu pas agréable, prier là pas agréable. La foi ça veut dire pour me gagner la foi, il faudrait-il que moi en connaissance de la parole de Dieu. On a regardé dans Hébreux chapitre 11 verset 1er. Hébreux chapitre 11 verset 1er. On regarde l'ensemble. Nous va regarder pour eux. Hébreux chapitre 11 verset 1er dit or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On regarde verset 2. Il dit, pour l'avoir possédé, la foi, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ça veut dire, premier bagage que j'ai besoin de faire pour me capable de gagner la foi, il faudrait-il que j'aille étudier la vie ancienne. La vie de Paul, la vie de Moïse, la vie de Joseph, la vie de Daniel, la vie d'Abraham. Formalité Dieu la vie nek sa yo pour me capable venir gain ça rele la foi. Ça veut dire là automatiquement mal étudier la vie de Paul, la vie de monsieur sa yo qui ça me commencer gain là me commencer à mettre connaissance là kay moi et kounya me venir gain connaissance me venir gain la foi kounya me agréable dans Dieu mon Dieu. Ça veut dire me pas qu'a besoin agréable pas qu'a besoin bon Dieu répondre prière bien facile ou bien pas qu'a besoin qu'on prier et puis pour me pas qu'a pour ne pas gagner connaissance. On a prié pour nous finir parce que Léa est vraiment avancé. Il est vraiment avancé. On nous bat en nous pour que nous capables de grandir. Tous les jours, et la gloire pour toujours. Alléluia. La victoire avec son premier l'idée même avant mon avant qu'on est oh non amour la victoire avec sang la victoire c'est qui bonne victoire on va pas parler de avec sang pas capable parler de amen alléluia oui le bonheur amen alléluia et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que c'est la bonne chose. Levez-moi. Que c'est la bonne chose. Que l'esprit d'évangélisation est capable de rentrer la calme.
chasser esprit de honte, esprit de timidité la caille, soyez dans le nom de Jésus. Esprit qui faut pas qu'elle prêche l'évangile. Comportement anormal. Comportement désagréable. Qui a dirigé la voix, qui va gagner du mal pour prêcher, frère, amis, travail, collègue ou l'évangile là. Assoya, il faut gagner volonté. Il y a volonté au là. On déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ que liberté, que l'esprit de liberté rentre dans la caille. Et que l'esprit d'évangélisation rentre. C'est pour bon Dieu motiver. C'est pour recevoir motivation. Pour exercer mission sur la terre. Mission chrétienne. C'est prêcher, évangéliser la bonne nouvelle. Alléluia, toi. Je n'ai point honte de l'évangile car c'est une puissance pour le salut de quiconque. Père Céleste en Jésus-Christ. Toi qui es digne de gloire. Ou même Seigneur Jésus qui était d'accord vers ses sous voir par le ou même qui était d'accord, qui était trône, qui était royaume, qui était tout bien, qui transformait tout. Ou même Seigneur Dieu qui modifiait tout, qui changeait son lien. Uniquement Seigneur Dieu pour nous capables de grandir. Oui, le pauvre. Pour nous capables de grandir. Le nous demandons au Seigneur Dieu Tout-Puissant, assois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Puisque vous êtes d'accord ou même pour nous mouiller, pour être mouillé, yon Dieu qui crée tout bagage, yon Dieu qui a pouvoir pour transformer tout, pour minimiser tout, juste pour capable de lever nous, Seigneur. Juste pour capable de lever nous à soi. Seigneur, nous courons puis quand rentrer dans la tête pour nous. Ou prendre, nous cracher dans la figure pour nous. Ou accepter. Nous clouer sur la croix pour nous. Et même nous, ça, yo, Seigneur. Dans la parole que tu as prononcée sur la croix, ou prononcer. Ou réclamer pardon, Seigneur, pour yo, juste pour que nous-mêmes nous sommes capables d'exister à soi. Juste pour que nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous sommes capables de gagner l'évangile à soi. Et une balade qui est terrible, Seigneur, au lieu de nous fiers de ksanye, je dis, mais nous honte. Au lieu pour nous ta fiers, Seigneur, de l'évangile que nous avons, que nous avons gratis. Et comme si vous d'accord souffrir, Seigneur, vous d'accord minimiser tes tout, vous d'accord passer pour pas rien, juste pour que nous-mêmes nous capables d'aller aujourd'hui. Hein? Mais Seigneur, en vérité, nous honte l'évangile là. Parfois, quand nous arrivons, nous ne pas même voulons connaître si nous sommes chrétiens. Quand nous arrivons, nous ne pas même voulons nous parler nos frères, Seigneur, parce que nous ne pas même découvrir que nous sommes chrétiens, parce que nous honte l'évangile. Nous ne pas fiers de ça, aujourd'hui. Hein? Allez voir pour nous même arriver à accomplir la mission que nous avons, qui c'est évangéliser, Seigneur. Assoyez-vous, mon Dieu fidèle. Nous reconnaître que nous faisons gros erreurs dans la vie, nous, parce que nous refusons de prêcher l'évangile. Nous reconnaître, Seigneur Dieu, que c'est plus gros mal que nous avons fait tête, nous, parce que nous refusons de parler de vous. Nous refusons de dire, mais comment tu vis, mais comment tu vis, mais comment tu mourir, Seigneur. Amen. Mais assois, Seigneur Dieu, puisque parole nous dit, depuis nous reconnaître état nous, depuis nous reconnaître péché nous, on prend pour pardonner nous, Seigneur. N'a pas de grâce, parce que son péché est complet. Autrement dit, on passe nous l'autre pour nous faire bagaille. Nous-mêmes nous refuser faire son péché lié. C'est peut-être parfois des gens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui fait par ignorance, des gens qui choisissent faire parce que n'ont pas de suite de faire. Des gens qui font honte, des gens qui font gros efforts. Mais n'a pas de grâce, Seigneur. Gardez la vie nous, assoyez, Seigneur. Et soufflez, Seigneur. Yon l'esprit, Seigneur Dieu, de force et de courage. Soufflez sur la vie nous, yon force, esprit de force et de courage. Et chassez sur la vie nous, esprit de timidité, l'éternel. Parce que Gémon, Seigneur, a une capacité pour parler plusieurs langues. C'est pour qu'il prêche l'évangile. Mais ça, il fait l'autre bagaille avec connaissance.
Gen moun Seigneur ou ki te parle anglais, espagnol, français, créole, c'est pour ta à l'aise pour prêcher l'évangile. C'est un n'est pas langue qui vient, yo. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, utilisez pour faire l'autre bagage. Pardonnez-nous, Seigneur, et fais-nous grâce. Que l'esprit capable de mettre réparation, capable de réparer, Seigneur, et ouais ça. Seigneur Dieu, fais-nous grâce, Seigneur, parce que nous comptons sur nous, croyons dans la capacité. Soufflez source de motivation, soufflez motivation sur nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour nous capables à l'aise pour nous parler de vous, pour nous parler de l'évangile. Pour nous dire qui est souillé. Seigneur, fais-nous grâce à soi. Fais-nous grâce à soi. Dans le travail, nous, dans la route, nous, Seigneur, quelque part à côté, nous, quoi, nous aller, là, entrer dans le store. C'est que nous allons entrer dans Walmart, dans le président, faire à l'aise pour prêcher l'évangile. Et bien, nous capacité ça. Et bien, nous présence cet esprit, Seigneur Dieu, à chaque fois, nous commençons à prêcher. Yo mon l'évangile, nous commençons à évangéliser, Seigneur, pour capable toucher cœur. Et de nous chercher la connaissance. Pour les prêcher mon l'évangile, pour nous être à l'aise, pour ne pas perdre en question. Parce que les gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile, c'est parce qu'ils n'ont pas de capacité de se poser une question pour répondre. Nous demandons au Seigneur, à travers l'émission, ça, toujours parler avec nous, Seigneur, pour nous capable enseigner, former. Et montrer, Seigneur Dieu, qui ça vous doit faire, comment vous doit avancer. Et puis ça, c'est pour vous lier, Seigneur Dieu. Fais sembler là-dedans. Fais sembler là-dedans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça, je prie au rassoir. Ou même ta vie, ta tenue. Au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Mon Dieu, bénis-nous, rassoir. Il fait l'heure pour nous aller. Il est exactement 10h04. 10h04. Nous supposons fermer à 10h10. Nous avons 3 minutes. Nous voulons avoir l'opportunité avec 3 ou bien 4 personnes pour aller. Pour aller Kounia. Pour aller sur le numéro ça. 561 285 2936. Pour dire nous comment passer ce moment ça. Et qui surprend ce moment ça. Et qui sont à rejoindre dans la prochaine émission. 561-285-2936. Pas perdre du temps. Pas perdre du temps. Rélez pour dire qui sont prêts, qui sont rejoints. Comment pour te vivre le moment ça. Nous parler de mission l'église là et nous faire plusieurs parcours avec vous. Dis-nous qu'on y a là. Rélez-nous. Bah-nous un mot encourageant. Dis-nous qui sont rejoints. Dis qui sont à rejoindre. 561-285-2936. Le ciel là haut tout droit. 561-285-2936. Vous avez 4 minutes pour nous aller. Ou même qui voulez les faire ça qu'on y a, s'il vous plaît. Souka vole, vole, souka rele, rele. Ah, levez-moi. Criez, ma pépose, ma pépose. Oh, Levez-moi, ma
déposé ma paix. Amen. Amen. Posé. En bas de la foule, ma paix. Amen. Amen. Posé. En bas de la puissant guerrier. Pendant les combats, Jéhovah est. Un dit puissant guerrier, puissant guerrier. Salvation, levez mon bureau, levez mon bureau. Oui, chante puissant guerrier, puissant guerrier. Oui, va dans les combats, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Amen, amen, amen. Jéhovah est son nom. Levez, levez. Jéhovah, Jéhovah est son nom. Dis Jéhovah, Jéhovah est son nom. Oh, moi je suis un guerrier, puissant guerrier. Fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Oui, moi je suis un guerrier,